La décision est tombée le 27 mai dernier. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie passe à la phase d'éclairage. Pour avoir l'électricité, les ménages sollicitant une intensité de 5 ampères bénéficient d'un échéancier. 1 000 francs CFA payables au moment du raccordement et de l'abonnement au réseau électrique et les 149 000 restants étalés sur 10 ans. Le ministre Tungara étudie en plus la possibilité de donner le choix aux abonnés d'opter pour des factures mensuelles ou bimensuelles. Et la cible visée par la décision gouvernementale est bien identifiée. Cette mesure qui est marquée du sceau du président Alassane Ouattara est une mesure qui ne concerne que ceux qui n'ont pas aujourd'hui de lumière dans leur maison, qui n'ont pas de contrat d'abonnement et qui ne sont pas branchés. Cette mesure est faite pour les moins favorisés de notre population, dans un premier temps. Il viendra ensuite d'autres mesures qui vont aller en faveur de ceux qui ont plus de possibilités. Avec cette nouvelle disposition, c'est un package que le gouvernement offre aux ménages économiquement faibles. Ils auront d'abord le branchement, l'abonnement, les installations intérieures, le contrôle de ces installations et les lampes à basse consommation. Tout ce package sera un kit qui permettra à tous les habitants de ce pays qui veulent se brancher au réseau national de le faire avec plus de facilité. La mesure entre en vigueur dans le dernier trimestre de cette année. Elle permettra de passer de 50 000 à 200 000 abonnés par an, donnant du coup une réponse appropriée au phénomène de fraude avec les branchements anarchiques dont le manque à gagner est estimé annuellement à 54 milliards de francs CFA.